Alors, toujours dans le forum des musées royaux des beaux-arts de Belgique, je suis ravi de vous retrouver pour regarder deux peintures qui ont été exécutées en 1907 par un artiste décorateur symboliste qui s'appelle Constant Montalde. Ce sont deux grandes œuvres monumentales, ce sont des projets décoratifs. Des projets décoratifs que Montalde a réalisés pour les musées royaux des beaux-arts de Belgique et qui, paradoxalement, n'ont pas été pris par la commission d'achat, qui considérait ces œuvres sans doute d'une modernité trop violente. Alors vous avez la fontaine de l'inspiration, vous voyez le côté parfaitement idéaliste de Montalde avec cet arbre stylisé qui est magnifique, cette dimension bleue qui donne à cette vision élyséenne sa force de rêve et ce travail décoratif qui, lorsqu'on s'en approche, vous montre cette façon étonnante de représenter le rapport de l'ombre et de la lumière à travers un travail de ponctuation qui va se muer d'ailleurs en une sorte d'écho spirituel de la figure telle qu'elle se donne à voir. L'utilisation de l'or, comme dans la tradition gothique, qui rend à la représentation son caractère rare et précieux, et cette vision élyséenne où de la fleur que vous avez là à la femme, et regardez ce travail de ponctuation et cette extraordinaire finesse de suggestion, eh bien on exprime le même idéal. Alors à la fontaine de l'inspiration, qui est une sorte d'ode à la création, Montalde a répondu avec un autre tableau qui se trouve aussi ici, qui n'est autre que la barque de l'idéal, mais vous allez le voir, cette barque de l'idéal est un tableau qui n'a pas tout à fait le même format que l'autre, puisqu'il a perdu un certain nombre de centimètres dans le bas, vous ne voyez d'ailleurs plus la barque, et vous avez simplement cette représentation. Cette œuvre est un dépôt de la province du Hainaut, il est important de faire circuler, vous verrez pourquoi cette œuvre avait tout à fait sa place au musée royal, et cette œuvre ayant été conservée durant un temps dans de très mauvaises conditions, elle a dû être recoupée, ce qui fait qu'on a perdu la partie basse, qui vous montre notamment ces femmes tenant ces œuvres d'art, et qui vous montre que la barque de l'idéal, sur cette barque, on transporte des œuvres d'art et liée à la fontaine de l'inspiration, vous retrouvez le même travail décoratif tout à fait caractéristique, le même jeu de ponctuation que vous avez ici, et ces deux hommes nus, cette société idéale qui ne connaît ni le vice, ni une pensée négative, vit dans une sorte de Champs-Élysées permanent, qui est un espace du rêve où l'art occupe une place prépondérante. Alors pourquoi ces deux œuvres ici au musée? Eh bien, vous allez le voir en retournant dans la direction de mon bureau, simplement parce que ces œuvres avaient été conçues pour les musées royaux, c'est-à-dire pour le corridor qui devait relier l'entrée, l'endroit où se trouve l'escalier royal, au grand forum. Et les deux œuvres de Montalde avaient été conçues pour décorer les deux murs. Alors l'espace a été fort transformé, mais la commission d'achat en a décidé autrement. Elle était relativement réactionnaire et très conservatrice. Elle considérait que ce type d'expression n'avait pas sa place dans un musée et donc les œuvres n'ont pas été prises. Mais vous allez en savoir plus grâce à Dominique Maréchal qui va vous parler de ces deux œuvres de Montalde.